Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, que vous pétez la forme. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre nouvelle aventure sur Euro Truck Simulator 2. Alors avant de parler, de discuter, de rouler, juste, je vous montre un truc, c'est que j'avais fait une petite balade en off, du coup, pour vous montrer le trajet que j'ai fait, enfin une petite balade. C'est-à-dire qu'en vidéo, on avait fait La Rochelle-Bordeaux, si je dis pas de bêtises, et du coup, ce que j'ai fait hors vidéo, c'est La Rochelle-Nantes, voilà, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est l'inverse, mais je ne sais plus. Comme ça, vous le savez, j'ai reçu un email, donc ça, le but du jeu c'est que je le regarde pas hors vidéo, donc on va le regarder ensemble. J'ai reçu un email donc de la banque, voilà, besoin d'argent, surtout ici voilà dans le jardin. Avis aux personnes concernées, nous recherchons des conducteurs expérimentés possédant leur propre camion pour un grand nombre de livraisons. Pour le moment on n'a pas encore notre propre camion et justement on va en discuter un petit peu, vos commentaires, vous allez voir, on va un petit peu parler. Mais on va se prendre d'abord une mission. On va se prendre une petite mission, marché du travail, mission rapide. Qu'allons-nous faire? Chariot élévateur, c'est le prix le plus haut, donc on va prendre ça. C'est un petit La Rochelle-Nantes, voilà, c'est comme le trajet que j'ai fait hors vidéo. Donc on va prendre la mission, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est parti. Ok les amis, on est parti, on est à bord d'un petit man, voilà, ça fait plaisir, un petit man, on a le GPS intégré, donc c'est plutôt cool. Ça fait donc un petit moment que j'ai pu rouler, hein, personnellement pour ma part. Comment on fait pour mettre les lumières? Comme ça, impeccable. On va essayer de trouver la sortie tranquillement. Oh, ça va être un Oh ouais. Les amis, ce camion va être plutôt agréable. Alors j'ai un petit peu reconfiguré mes touches. D'ailleurs, un truc que vous m'avez proposé en commentaire, chose que j'ai faite, regardez, c'est que j'ai inversé ma caméra de manière horizontale, de sorte à ce que quand je tourne le volant, ce soit dans le même sens. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous dérange, et en fonction de vos avis, je rechangerai. Mais voilà, du coup, je suis inversé, je suis en bas à gauche, et voilà, c'est plutôt sympathique, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme ça ou non. Voilà. Alors, je vous avais posé une question très importante. Alors attendez, d'abord juste, je vous fais l'instant promotion, suivez-moi sur Instagram parce qu'en commentaire vous m'avez proposé quelque chose et c'est ce que je ferai. À chaque épisode, comme dit, j'aimerais qu'on parle d'un sujet prédéfini, voilà un petit thème de vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est une très bonne idée d'un abonné, c'est que c'est sur Instagram que vous allez décider de quoi on va parler, tout simplement. Hop, ah oui, je m'en sors beaucoup mieux au niveau des touches là. Ah ouais, là j'ai bien configuré le truc, ça fait plaisir. Donc ouais, on va faire ça comme ça les amis, c'est sur Instagram. Alors désolé si vous n'avez pas Instagram, mais voilà, après de temps en temps je pourrais vous demander sur YouTube directement, on verra comment on fera. Mais sur Instagram, je vous demande à chaque fois du coup... Attendez, j'ai un petit problème de micro. Hop, allô, ça grésille, c'est bon. Je vais vous demander sur Instagram, voilà, de quoi vous voulez qu'on parle. Alors, je ne l'ai pas fait pour cet épisode. Aujourd'hui, vous allez voir de quoi on va parler, ne vous inquiétez pas. Hein, vous me l'avez proposé en commentaire également. Je me suis vraiment basé sur vos commentaires pour toute cette vidéo, ne vous inquiétez même point. Du coup, suivez-moi sur Instagram, le lien est dans la description, c'est mcolooff. Et donc, en story, je vous demanderai de quel sujet vous voulez qu'on parle dans le prochain épisode de Euro Truck. Donc dès que cette vidéo là sortira, n'hésitez pas directement à me retrouver. Je mettrai du coup une story si j'oublie pas pour vous demander de quoi on va parler la prochaine fois. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant il y avait un petit débat, enfin une petite question que je vous avais posée. C'est même pas un débat puisque oh non il pleut, vous foutez de ma gueule. Il commence à pleuvoir. Par contre ça fait depuis méga longtemps que j'ai pu rouler, hein, donc on va faire gaffe. Voilà, tout va bien. Attention le bus. Alors là vous avez vu, j'ai même pas mis le rétroviseur le rétroviseur artificiel là. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Là je commence un peu à m'y faire de nouveau. Donc tranquille, pour le moment j'ai pas cogné, donc c'est plutôt cool. Oui, donc le débat, la petite question que je vous avais posée en... que vous m'avez répondu en commentaire. Est-ce que les camions sont bridés? Dans ma tête ils sont bridés. Et vous avez été en majorité à me dire que oui, ils sont bridés. Et puis de toute façon, je veux dire, ce qui est bien avec Euro Truck, c'est que la majorité de la communauté qui regarde... Non, la majorité de ceux qui commentent, en tout cas, sont soit des chauffeurs, soit des passionnés de camions. Donc, vous savez ce que vous dites. Très clairement, vous savez ce que vous dites. Donc, j'ai pas à m'en faire. Je sais très bien que ce que vous dites est vrai. Donc, ça, c'est vraiment cool. Oh là, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alors, attendez, j'ai trop joué à GTA ces derniers temps avec le G27, donc c'est pas pareil. Hop, le petit clignotant. Tranquille, tout se passe bien. On a un petit péage en plus. Oui, donc voilà, les camions sont bel et bien bridés en majorité à 90 km/h, vous m'avez dit un petit peu moins, 85, je ne sais plus exactement, pour les sorties d'usine. Donc j'ai pensé à un truc, vous allez m'en dire des nouvelles, et je pense que c'est le meilleur truc à faire. Pour le moment, c'est des missions rapides que ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que c'est pas mes camions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, tant que je n'ai pas mon propre camion, je vais laisser les camions brider, pour que ce soit réaliste. Genre, voilà, c'est des camions sortis d'usine, tu vois. Par contre... Quand j'achèterai mon camion,
mon premier camion, libre à moi de le débrider, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme, voilà, un peu comme une moto. C'est interdit, hein, finalement, c'est illégal. On s'en fout, hein. Enfin, comme une 50 cm cube, vous voyez ce que je veux dire? Si on n'a pas le droit, c'est interdit. Mais voilà, on débridera le camion si je le veux, et comme ça, ça me permettra de rouler beaucoup plus vite. Après, attention à moi et attention aux amendes, hein, je veux dire attention à la police. Il faudra que je respecte quand même un minimum, ça dépendra de l'argent que j'ai, évidemment. Le but, ce sera d'éviter de perdre le permis quand même, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, libre à moi de débrider mes propres camions. Mais voilà, en attendant, tant que ce n'est pas mes camions à moi et que je roule avec des camions de... Bah voilà, c'est mes patrons qui me donnent ces camions pour les livraisons, puisque je ne suis pas encore mon propre patron du coup. Eh bien voilà, ce sera toujours bridé. Donc là, on va prendre l'autoroute d'ailleurs, et je vais être limité à 90 km/h, ce qui va être un petit peu ennuyant, mais bon, c'est pas bien grave, on fait avec. Donc voilà, tout simplement. Alors là, ça va être assez cocasse pour s'engager. Ça va être assez cocasse. Personne, tout va bien. Allez, c'est nickel. Voilà, c'est cool, je m'en sors un petit peu mieux. Là, j'ai vraiment tout bien reconfiguré, je suis assez content. Et on est en train de suivre une belle suite de camions. Voilà, c'est plutôt cool, on est entre collègues. Il pleut, il fait beau, on va voir un arc-en-ciel. Enfin, il fait beau, il y a le soleil et il pleut, donc on va voir un arc-en-ciel à tous les coups, c'est plutôt cool. Vous m'avez aussi répondu pour le promode, je me suis fait avoir, excusez-moi, je ne savais pas. Il me manque pas un DLC, il m'en manque encore plus. Voilà, il faut apparemment... est-ce que je vais tenter de doubler? Putain, je suis trop con. Je suis bridé, je vais faire ça. Non, attends, il y a un péage à 500 mètres, arrête tes conneries. Oh. On va juste respecter les distances de sécurité. On va se contenter de ça, les amis, on va pas faire les cons, on va éviter de faire la casse. Donc oui, il faut avoir tous les DLC pour avoir accès à la pro mode. C'est pas grave, écoutez, ça me fout un petit coup au moral, hein. C'est pas grave, mais tranquille, on n'est pas pressé. Comme dit, là, je recommence une nouvelle aventure, j'ai pas besoin de la pro mode pour le moment. Et j'ajouterai les DLC au fur et à mesure que j'ai de l'argent. Voilà, n'hésitez pas à passer sur Ineba si vous voulez commander des jeux ou des DLC moins chers. Voilà, je vous le redis, n'hésitez surtout pas. C'est moi ou mon camion il a bugué là? Il a fait un truc un peu bizarre. Ok, tout va bien. Voilà, ça fait plutôt plaisir. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui, les amis, dans cet épisode? Je vais essayer de vous vendre du rêve, d'accord? Parce que, hop, voilà, on est arrivé, il coûte combien? 18 €? Ah bah c'est peu cher, après c'est l'employeur qui paye, donc j'en ai rien à foutre. Tant que c'est pas moi mon propre patron, c'est voilà, c'est l'employeur qui paye, donc c'est plutôt cool. Il commence à faire nuit, il commence à pas faire beau du tout, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué, je sais même pas combien de temps de livraison il me reste. Et je vais regarder sans faire d'accident. Il me reste 7 h, et j'ai encore 2 h de route. Ok, donc c'est bon, on a vraiment de la marge, tout va bien. Là on va rouler de nuit les gars, ça va être incroyable. Oui, de quoi allons-nous parler? Vous me l'avez donc, c'est un abonné qui me l'a proposé en commentaire, pour le coup. On va parler de l'avenir de ma chaîne, mais ça va pas être relou en mode « Oui, alors j'ai un travail, donc ça va être compliqué, l'avenir, machin. » Le but du jeu, c'est pas de parler de l'avenir, entre guillemets, de la chaîne, ça va être de parler de ce qui va se passer sur ma chaîne dans quelques semaines, dans les prochaines semaines à venir, voilà, pour être un petit peu plus large. Là, il faudrait que je prenne à gauche, si je dis pas de bêtises. Non, attendez, je comprends rien. Non, il faut juste que je reste sur ma voie. Je comprends rien au GPS, les gars. Oui, c'est ça, faut que j'aille tout droit, c'est bon, tout va bien. Y a des nouveaux jeux qui vont sortir, là, que ce soit l'année prochaine ou même en fin d'année. Et voilà, ça fait depuis extrêmement longtemps, pour ceux qui le savent, que j'ai jamais été autant hypé par des jeux vidéo, d'accord? Mince, je me suis trompé. Hop! Ça fait depuis extrêmement longtemps que je n'ai pas été hypé par des jeux vidéo. Et je peux vous dire que là, ma chaîne YouTube, elle va kiffer. Elle va kiffer parce que vous allez en prendre plein les yeux. Hein. qu'est-ce qui se passe là? Tu veux peut-être pas pousser le camion tant qu'on y est là. Donc vous allez en prendre plein les yeux, les amis. Notamment, alors les gars, j'espère que ça vous intéressera. Flight Simulator 2020. Normalement, au moment où sortira cette vidéo, il y aura déjà une autre vidéo qui sera sortie pour en parler justement. Donc je vous invite à la regarder. Je mettrai une fiche en haut à... Hop. En haut à gauche. En haut à droite. Je suis perdu. Je mettrai une fiche et puis je mettrai la vidéo en description si vous l'avez pas encore vue. Ça s'appelle J'ai beaucoup trop hâte. Faut absolument que vous regardiez cette vidéo, même si vous n'êtes pas intéressé par Flight Simulator. Si vous regardez cette vidéo, normalement vous serez forcément émerveillé par ce que ça va nous proposer. Je pense, très sincèrement. C'est juste incroyable, c'est une tuerie. Et j'ai trop hâte que ça sorte. Et il ne pleut plus. Hop, on coupe, calme-toi. Voilà, tout va bien. C'est 80 km/h, je sais même pas combien je roule. J'arrive pas à voir. Attendez. Ah c'est bon,
tout va bien, je suis à 70. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc ouais, ça va sortir le 18 août si je dis pas de bêtises, du coup Flight Simulator. Donc il y en aura les amis potentiellement si j'arrive à le faire tourner facilement. Au niveau des specs recommandés, je suis bon quoi, je veux dire j'ai la bonne carte graphique etc. Mais est-ce que je vais réussir à le faire tourner comme je le veux, ça je ne sais pas. On verra ça en temps et en heure. Je l'achèterai ou peut-être que Flight Simulator me l'offrira, je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Il n'y aura pas de partenariat, ça c'est sûr. Mais je vais pas vous mentir que je leur ai demandé est-ce qu'il y a moyen que vous me le filez. Donc on verra si c'est possible ou pas de l'avoir. Dans tous les cas s'il me l'offre pas, bah, je l'achèterai hein. C'est pas grave hein. Mode pigeon activé, mais en même temps le jeu il vaut tellement le coup et je vais vous faire des trucs de ouf. Donc voilà, ça c'est le principal truc qui arrivera, c'est-à-dire qu'il y aura Euro Truck, je n'arrêterai jamais, je veux dire c'est pas parce qu'il y aura Flight Simulator que je vais arrêter Euro Truck, bien au contraire. D'ailleurs je n'ai pas de joystick hein, j'ai seulement un G27, donc forcément je vais aussi beaucoup continuer la conduite, ne vous inquiétez pas. Donc ce qui va potentiellement... Merde, j'ai failli prendre la mauvaise sortie. Ce qui va potentiellement arriver prochainement, ça va être beaucoup de Euro Truck, beaucoup de Flight Simulator, beaucoup de jeux de simulation, hein, comme vous pouvez le constater. Il y aura toujours du Minecraft, évidemment, pour ceux qui me suivent pour du Minecraft. Il y aura potentiellement, peut-être, c'est pas sûr, mais je vais l'acheter quoi qu'il arrive. Hop, il y aura du Call of Duty Black Ops, le nouveau Black Ops qui va sortir, ça va être incroyable. Donc je l'achèterai, est-ce que je ferai des vidéos dessus, je ne sais pas si ça vous intéressera ou pas. Mais dans tous les cas je l'achèterai, comme ça vous le savez. Voilà, l'année prochaine il y aura Far Cry 6 qui va sortir. Alors là les gars, si je peux me le procurer, bah j'essaierai de faire un let's play dessus si possible. Ce serait vraiment le feu. J'ai jamais fait de let's play sur ce genre de jeu et pourtant j'ai toujours joué à Far Cry 3 et Far Cry 4. Je vais pas vous mentir que le Far Cry 6 me hype plutôt pas mal. Ça fait depuis un moment que Far Cry m'a un peu déçu. Enfin depuis Far Cry 4, après j'ai trouvé ça naze. Donc j'ai plutôt hâte du Far Cry 6 et j'ai pas regardé à gauche. Je suis un immense tocard. Ça se passe plutôt bien hein, ma conduite, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à chaque fois en commentaire à juger de ma conduite. Surtout n'oubliez pas le pouce bleu, voilà, ça fait extrêmement plaisir, ça m'encourage et puis surtout bah, ça m'aide à être un petit peu plus visible. En tout cas, voilà, on fait une petite balade de nuit, tout va bien, je veux dire tout se passe tranquillou pilou. J'ai hâte de voir après combien d'argent je vais avoir, mais bon, on va pas espérer grand chose hein. Parce que celle-là, ça va me rapporter je ne sais plus combien, 4000. Non, j'abuse peut-être un petit peu là, c'est un petit peu mon côté corse. Allez, on y va. Tranquille, là on va essayer de prendre large, ce serait con de faire de la merde. Hop, alors le clignotant, je vais faire comment? Hop. Ah, c'est bon, j'arrivais pas à mettre le clignot. C'est bon, ça roule. Impeccable. Je suis très très lent en tout cas. Ah là, je suis bridé, hein. Ah là c'est un camion sorti d'usine les gars. C'est évident. C'est évident. J'essaierai d'augmenter de nouveau les graphismes pour qu'on voit un petit peu mieux. Je vois que j'ai pas de perte là, donc ouais, j'augmenterai pour la prochaine fois les graphismes pour qu'on voit un peu mieux le compteur, que ce soit plus qualitatif quoi. Et après cette vidéo, je pense que je vais un petit peu plus rouler en off, voilà, je vais faire plus de balades. Et dans le prochain épisode, je vous montre, enfin, j'appelle ça des balades, mais je suis complètement con, je suis désolé les gars. C'est pas des balades, je me suis cru en moto, mais pour moi c'est de la balade, bref, mais c'est du transport, des livraisons, voilà. Donc j'en ferai des livraisons, j'en ferai un petit peu plus et je vous montrerai dans la prochaine vidéo bah, les chemins que j'ai pris hein, bien évidemment. Mais voilà, tout ce qui est grosse découverte, ça c'est évidemment en vidéo qu'on fera, ne vous inquiétez pas. Donc comme l'ouverture des emails, les découvertes peut-être de grosses concessions ou je ne sais pas, enfin tous les trucs importants, je ferai en vidéo, ne vous inquiétez même pas. Là je comprends pas où je dois aller en fait, faut que j'aille à gauche à un moment donné mais je comprends pas où. Ah ok. Il y a un stop. Ok. Alors j'ai fait le choix aussi de pas vous montrer le levier de vitesse. Voilà, je pense que ça prenait trop de place. N'hésitez pas à me dire si ça vous va comme ça. On voit juste le volant et ma tête. Je pense que c'est mieux. Ça sert à rien que vous voyez le levier de vitesse. En vrai, voilà quoi, c'est juste le levier de vitesse quoi. C'est pas non plus un truc de ouf. On va essayer de marquer le stop correctement. Voilà, je l'ai marqué trop tôt. Ah, j'ai plus trop l'habitude. Hop! Et voilà, on marque le stop. À gauche c'est bon, à droite c'est bon. Et bah les gars, on est plutôt bien. J'aime beaucoup. Alors attends, ça c'est comme dans la vraie vie. J'aime beaucoup faire des balades de nuit. Alors là c'est une livraison, mais j'aime beaucoup faire des balades de nuit. Pourquoi? Parce que bon, c'est con, faut faire très attention évidemment, en plus il y a les animaux, il y en a qui mettent pas leur feu, hein, bande de connards, voilà, je vous le dis, bande de connards, comment vous faites déjà pour voir quelque chose sans feu? Mais comme en majorité tout le monde a les feux, ben tu sais, quand ça te permet de voir un peu mieux, je trouve, enfin moi dans ma tête je vois mieux la nuit parce que comme les gens ont les feux, bah tu les vois arriver.
Imagine t'as une intersection, si tu vois des feux arriver à droite, tu sais qu'il y a une voiture qui vient à droite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est tout con hein. Alors que de journée tu dois faire plus, enfin plus attention. Non, faut faire tout autant attention, même plus attention. Mais tu vois un petit peu mieux quand les mecs ils ont les feux. Donc j'aime beaucoup la nuit, voilà, je suis un petit peu un night rider. Vous savez que je suis motard et d'ailleurs voilà, je viens de rouler en plein milieu de la route parce que je suis un motard. Ah attends, ah voilà oui c'est vrai, je peux mettre les pleins phares comme ça. Ouais ce serait pas mal que je les mette un petit peu les pleins phares quand même. Ça pourrait être sympa. Eh, attendez, est-ce que j'avais des gyrophares sur le camion? Ah oui, regardez, je viens de les mettre à gauche. On voit dans le rétro. Enfin, des gyrophares. Pas des gyrophares. Comment on appelle ça? Tiens, on appelle ça des gyrophares. Ça y est, le nouveau débat, nouvelle question, incroyable. Je sais pas si je roule trop vite. Comme dit, je vois pas le compteur, donc c'est un grand moment de plaisir. Mais voilà. Aussi, je reçois encore plein de nouveaux commentaires sur ma première vidéo découverte de Euro Truck. Oula, attention, il y a des gyrophares là-bas, justement. Quand on parlait de gyrophares, on va ralentir. On va ralentir, ça va, c'est dans la voie d'en face. Il y a une arrestation, je pense, ou un accident peut-être. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est la police nationale. Ah oui, non, il y a un accident, putain. Oh, il y a eu du feu et tout. C'est incroyable. Comme dans la vraie vie, ça me fait mal au cœur. J'espère qu'ils vont bien. Du coup, j'ai des nouveaux commentaires à chaque fois sur du coup ma première vidéo découverte de Truckers MP, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était cette vidéo là. Et parce que du coup dans cette vidéo je disais bah je montrais mon grand respect envers les chauffeurs routiers. Vous savez que j'ai un immense respect toujours et encore. Et que voilà je suis admiratif de ce que vous faites. Et j'ai trouvé ça fou de voir des gens dire ouais bah déjà merci pour l'admiration. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Les gars, je voulais juste mettre les pleins phares. Ah j'ai pas configuré ici, c'est pas grave. Ouais donc c'est quoi? Je dois faire quoi là? Je comprends rien. Ok. Je comprends rien à ce rond-point. Ah si, il faut juste que j'aille tout à gauche. Oui, bref, oh, je vais réussir à parler. Oui, il y en avait en commentaire qui disait oui, alors moi je suis chauffeur routier depuis des années, machin, etc. Mais faut que j'aille où, mon pote? Eh, mais faut que j'aille où? Je comprends rien. Ah oui, si, attendez, j'ai compris. Oh, je suis désolé, eh, les tours de rond-point, ça fait du bien. Là, ici, c'est là, hein. Wow, je comprends rien. Oui, si, c'est bon. Oh, je comprenais rien, je suis désolé, les gars. Le chauffeur routier perdu. Bref, je vais finir ma phrase, bordel. C'est que du coup, y en a qui sont chauffeurs routiers et qui, voilà, c'est je pense, un métier assez compliqué. Et vous le témoignez assez pas mal. Et je peux le comprendre. Mais comme moi, je ne connais pas vraiment et que je suis quand même... c'est pas que je suis passionné, mais moi, j'aime beaucoup la route et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Je voulais même en faire mon métier. Voilà, tu vois, en fait, je voulais en faire mon métier juste pour... Excuse-moi, j'ai laissé les pleins phares, c'est pas la peine de m'engueuler. Et du coup, voilà, il y en avait en commentaire qui disait « Je ne comprends pas les jeunes qui veulent faire de ça leur métier. » Après, ça dépend des personnes, parce que j'imagine qu'il y en a qui adorent toujours autant leur métier. Mais apparemment, voilà, c'est très très dur, donc ben, gros respect à vous, bon courage, bien évidemment. Et puis voilà, mais... Mais je veux dire, ça m'a quand même un petit peu choqué la personne qui a dit « Je ne comprends pas les jeunes qui veulent faire chauffeur poids lourd leur métier. » Bah, je comprends pas, oui, je pense que c'est difficile, comme tout métier qui est difficile. Genre, mais voilà, ça peut être une vocation. Comme moi, j'ai vraiment eu envie de faire ça dans la vraie vie, vraiment. Et si je pouvais le faire, je l'aurais fait, mais mes choix professionnels m'ont guidé ailleurs. Un jour, je vous en parlerai, je pense. Un jour, je vous parlerai de ma vraie vie. Mais voilà. C'est comme gendarme, tu vois, ça peut, c'est une vocation. Une vocation qui est difficile et. Voilà. Où c'est que je voulais en venir, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire, bah, gros big up aux chauffeurs poids lourds, hein, tout simplement. Mais, excusez-moi, j'arrête pas de taper dans les câbles. Salut, collègue! On va éviter de se rentrer dedans. Oh là, j'ai cru qu'on allait se rentrer dedans pour le coup. Eh ben, on arrive à destination. Pour le moment, j'ai fait aucun accrochage, ça s'est super bien passé. Non, là où ça va être risqué, c'est quand j'aurai mon propre camion et quand j'aurai débridé le camion. A mon avis, je risque de faire quand même le con et de faire des accidents. Oh, 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 la remorque. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle passe pas. J'ai cru qu'elle n'allait pas passer. Alors, évidemment, on va essayer de faire la manœuvre tant qu'on y est. Hein. Et puis, puis voilà, on va pouvoir s'en arrêter là, tranquille ou pilou. Alors, oui, bah ça va être tranquille en plus. Je suis pas l'un des meilleurs, donc je vais vraiment faire la technique du mec novice. Hein, c'est-à-dire, je vais me mettre tout au bout et puis je vais faire une marche arrière toute droite. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Enfin, je pense pas. Mais au moins, je vais essayer de faire ça en vue intérieure. Alors, attendez. Ah, j'ai oublié de mettre de la musique de fond, je suis désolé. Ouais, je mettrai au montage, c'est pas grave. Non, parce que la prochaine fois, je mettrai des musiques libres de droit sur la radio directement et comme ça, ce sera en fond. Mais je vais le faire au montage, ne vous inquiétez pas.
Enfin, je pense que vous l'aurez déjà entendu, de toute façon, il y a de la musique de fond. Mais là, actuellement, je n'en ai pas, quoi. Ok, ça passe crème, hein. Je suis un expert, je pense, on peut le dire. Allez, on y va un peu plus vite. Voilà, regardez-moi ça. Hop, tout va bien. Bim! C'est pas bon? Encore? Voilà! Eh ben, les gars, je pense que là, vous pouvez être fiers de moi. Ah, excellent! 242 km, 5 heures de route, 143 litres de carburant. Et on se gagne 4086 € et on est passé niveau 2, si je dis pas de bêtises. Continuez. Et on va s'attribuer une nouvelle compétence. Longue distance, marchandise de grande valeur, marchandise fragile. Allez, marchandise fragile, appliqué. Let's go. Et ben voilà, les amis, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve avec 12 980 €. On a un petit garage. On n'a pas encore découvert de concessionnaire, si je dis pas de bêtises. Faudra qu'on rentre une fois dans Nantes directement. Ici, là, il n'y a rien. La Rochelle. Bah, La Rochelle, on n'a pas non plus exploré là. Donc, il faudra qu'on passe par là, les amis. Pareil, Bordeaux, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Voilà, ici. Donc, je pense qu'on va pouvoir découvrir un petit peu des concessionnaires là aussi. Mais pour le moment, on va un petit peu profiter. D'avoir des camions offerts un petit peu par la maison. Et on va continuer comme ça le temps qu'on se fasse un petit peu de money, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme dit, je vais m'amuser, je pense, quelques petites soirées hors vidéo à rouler, tout simplement, un petit peu explorer. Bah voilà, c'est ça ce que je vais faire. Je vais un petit peu explorer des nouveaux lieux et débloquer voilà les garages. Et puis après, on visitera en vidéo, bien évidemment. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, très important. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et pour le prochain épisode. C'était Mkolo, des bisous à tous. Soyez prudents sur la route tant qu'on y est. Bah oui, parce qu'il y en a qui sont chauffeurs camion qui regardent cette vidéo. Donc soyez prudents sur la route. Pareil en voiture, pareil en moto. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.